Bonjour à tous, ici Demon et on teste aujourd'hui l'Avermedia Game Capture. L'Avermedia Game Capture HD, un truc comme ça. Je sais plus comment s'appelle ma propre carte d'acquisition. En tout cas, c'est ma carte d'acquisition que j'ai acquise pour pouvoir enregistrer du gameplay sur ma PlayStation 3. Oh là, mon stick, s'il vous plaît. Est-ce que mon stick peut arrêter de. Voilà. Donc on est sur PlayStation 3, on joue à Mortal Kombat, on va se faire une petite ascension pour tester un peu cette game capture. Et on va jouer avec Scorpion, hein, parce que Scorpion c'est un peu. C'est un peu un mec qui fait du feu et comme moi je suis Demon Fire. Bon bah voilà, on se comprend pas mal tous les deux. On va se mettre en difficile parce que expert je me fais juste latter la gueule, on repassera en expert une autre fois, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est histoire surtout de tester un peu ma capture vidéo. Voir un peu si elle fait le café ou pas du tout. Alors par contre ce qui est chose sûre c'est que mon micro lui fait moyen le café donc ça c'est toujours pas réglé. Et voilà donc ceux qui connaissent pas Mortal Kombat c'est donc une licence assez connue de versus fighting. Et oui je préviens tout de suite. C'est une licence qui est connue pour son gore, donc les publics sensibles. Je vous demanderai de quitter la vidéo. Hop, petit coup de grappin, petit uppercut. Ah, salaud. Allez, hop, j'ignorais que je pouvais faire ça. Hop, et voilà, le X-ray, là qui fait déjà bien mal. Ah. Donc des mouvements spéciaux où on voit en rayon X ce qui se passe à l'intérieur du corps de notre adversaire, ce qu'on est en train de lui faire subir. Et donc c'est la barre en bas qui charge ça. Vous pouvez voir qu'on a une barre qui. Ouais. Le compensateur de la PlayStation 3 qui est assez bruyant également, mais vous êtes habitué avec mon PC. Ah ça y est, je me suis pris un X-ray. Donc c'est la barre en bas qui se charge. Quand on arrive au niveau 1 de chargement, on peut faire des mouvements un peu améliorés qui font plus de dégâts. Au niveau 2, on peut se sortir de combo en faisant des interruptions de combo. Et au niveau 3, on peut sortir le X-Ray. Il a une petite chope. Alors, je suis pas très bon à ce jeu, donc vous allez voir que j'ai abusé des mêmes techniques en boucle et en boucle. Ah, shit, mais je me fais défoncer là. Donc, c'est en 2 rangs gagnants. Et le principe du mode ascension, c'est qu'on affronte des ennemis les uns après les autres jusqu'à affronter Shao Kahn. Le seigneur de notre monde, de notre temps, n'importe quoi. Ah, faut que j'arrête d'essayer de le sauter parce qu'il a un anti-aérial donc. Voilà, moi aussi j'ai un anti-aérial. Arrête de sauter, voilà. Finish him, et donc là qu'est-ce qu'on fait quand il y a finish him? Là on va sortir le gore donc éloigner les femmes et les enfants. Et on a juste un seul truc, tac tac tac. Bon, il est pas très compliqué à faire. Merde. Voilà, l'écran devient noir et fatality. Scorpions win. Fatality. Donc voilà, les fatality, c'est la marque de fabrique de Mortal Kombat, évidemment. Vous le savez, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Et on est parti, on se bat contre Baraka. Baraka frite. Alors, si je donne des coups dans le micro, ouais, ça sature un peu. Évidemment. Donc là c'est le premier gameplay PlayStation 3 qu'on enregistre grâce à cette Avermedia Game Capture HD Lite. Et on aura l'occasion après la fin de nos partiels d'en faire plus. Et notamment on fera certainement le mode histoire de ce Mortal Kombat. Donc c'est Mortal Kombat c'est pas le dernier, il y en a un qui est sorti depuis. J'étais en train de regarder sur la boîte, il n'y a pas marqué le numéro, je crois que c'est. J'ai pas envie de dire des conneries, mais c'est pas le dernier qui est sorti. Tiens, prends-toi ça dans la gueule, prends-toi ça. Ce que j'aime bien avec ce Mortal Kombat. Oh, Xaras, c'est quand je me fais défoncer par un X-ray à la con. C'est qu'on je trouve qu'on ressent bien la puissance des coups et c'est pas un jeu à infinisation de combos façon Tekken mais c'est pas aussi nerveux qu'un
qu'un Street Fighter, donc ça permet de se poser et d'avoir des combats qui sont peut-être un peu moins dynamiques. Quoi que ça manque surtout de la façon dont on joue. Hein. Ah, salaud, salaud, salaud. Alors là, il faut que je le tape parce que ouais, sinon il peut me. Il aurait pu m'achever à la gratte en tapant dans ma garde, ça enlève des PV. Voilà, on va le laisser frapper, on va essayer de le prendre off garde. Ah non, mais j'ai été obligé de claquer une interruption, donc du coup j'ai pas pu faire de X-ray. Allez, ah, tarasse. Mais putain, à chaque fois que je fais mon truc. Ok. Il va m'avoir la gratte, donc. Chaque fois que j'essaye de faire mon truc, il est dans son. Ah, il boum. Ok, il est une distance optimale où mon grappin est prio sur sa boule de feu. La chope. Voilà, on va essayer de revenir. On essaie de lui faire un grappin. X-ray. Est-ce qu'on retourne la situation complètement? La cage thoracique. On voit plus la barre de points de vie. Non, on reste encore un peu. On essaie de claquer le sien. Franchement, j'étais en garde. Non, salaud. Pas jouer à grand chose. Round three, fight. Fight. Alors, chaque combat gagné, on gagne des points avec lesquels on peut ensuite acheter des nouvelles fatalities, des costumes. Et évidemment, il y a ce qu'il faut de microtransactions comme dans tous les jeux triple A actuels. Beaucoup trop, beaucoup trop chaud sur la garde. Mais il est tout le temps en garde. Ah, petite interruption. Bon, du coup, il n'y aura pas de X-ray de sa part. Petite interruption de ma part, du coup, pas de X-ray de la mienne aussi. Bon, faut que j'arrive à remonter ce. Ah, putain, mais. Son tourbillol là m'interrompt juste tout. La petite chope. Ok, on est en train de revenir. Ah, il va essayer de me gratter à la boule de feu, salaud. Oh non, l'enculé. Et il me fait même pas de fatality, c'est quoi. Bon, du coup, on va en profiter pour changer de perso. Choisir un nouveau combattant. Et on va prendre. On va prendre Striker. Où est-il, Striker? Là. Striker. Bon, je vous raconte pas le scénario de Mortal Kombat, on le verra quand on fera le mode histoire, tout simplement. Mais Striker est un agent de police plutôt balèze. Police brutality coming up. Bon, Baraka a pas trop de conversation. Hein. Round one. Fight. Petit coup dans le bas-ventre, ça fait toujours plaisir. Ok, quand il tombe du lol, il faut lui faire une attaque basse. Tu coupes deux fois dans ta race. Ah, salaud. Comment je fais les. Comment j'utilise mon flingue? Ah. Voilà. Petit coup de X-ray avec la lampe torche. La tonfa. Et le taser. Ouais, elle enlève pas mal de points de vie, ma technique, ça. Parce que selon les personnages, les X-ray sont parfois plus faciles à placer et parfois font plus de mal. Il essaie de me faire une X-ray que j'ai interrompu avec un petit coup de pied. Alors, ça, c'est le coup de tonfa, ok. Alors, pour les coups. Ça peut être parfois juste dash dash triangle. Des fois ça va être des quarts de cercle. Des conneries. Bon. En général, c'est quand même des enchaînements moins compliqués que dans un Street Fighter-like. Vraiment, il y a un enchaînement que je faisais tout le temps pour sortir le flingue, mais. Ah, pour le retrouver. Coup de taser, écoute-toi fort.
Salaud. Salaud. Interruption. J'essaie de sortir le coup de flingue depuis tout à l'heure, mais ça ne vaut pas. Alors là, il peut me finir à la gratte, donc faut pas que j'essaye de garder, parce que s'il me tape dans ma garde, là... Ouais. De toute façon, il me tape en dehors de ma garde, donc... Donc j'arrête d'essayer de sortir le coup de flingue, parce que... Et il va essayer de me caler un X-ray. Il faudrait que je lui fasse claquer une interruption avant. Ah, salaud. L'X-ray qui passe. Bon, allez, je vais pas perdre deux fois contre Baraka. C'est le deuxième combat. Il y a des persos quand même qui... J'ai l'impression que ce soit hyper ouf niveau, équilibre. Il y a des persos qui me semblent quand même bien balèzes. Oh, le petit coup de grenade. C'est comment? Tac tac. Ok. C'est comme ça. Ah non, ok, bon, je l'ai su. Du coup, est-ce qu'on peut avoir une petite fatality là? Alors, finish move, tac 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 tac. Petit coup de taser. Ok. Simple et efficace. Le bon vieux headshot. Fatality. Par contre, je pense que je préférais le son des Fatality dans les anciens Mortal Kombat. Quand c'est Fatality. Police Brutality. Ça, c'est la meuf de Shao Kahn, si je ne me trompe pas. Sindel. Ah, attaque basse de distance. Ok, donc elle balance des décharges d'énergie de... Ok. Un peu trop mobile à mon goût. Salaud. Bah putain. Ah bah je me fais brutaliser en tout cas. Ah ok. Elle fait une attaque au sol et une attaque en l'air. Bon, je vais garder mon X-ray, ce round est fini de toute façon. Sauf si j'arrive à faire un perfect. Oh putain. Ok. Je peux pas parer cette merde. Bon, je me dis que le round était fini, donc je préfère garder ma jauge plus tard pour sortir un X-ray. Genre là. Ok, elle est en sa garde. La grenade. Bon, j'ai réussi à trouver un combo, c'est celui que je tombe faire. Et la grenade un peu qui sert de temps en temps. Ok, là j'ai un coup de tombe fort au niveau du sol. Elle a un coup de je te défonce la race au niveau de partout. Ah, les enchaînements. Ok. Bon, malheureusement je ne suis pas mis en expert parce que déjà quand on est facile je prends tarif. Oh, le coup de cheveux est pas mal. Ok. Est-ce qu'elle va me faire une fatality? Non. Les IA sortent pas forcément une fatality, faut avoir de la chance. Je préfère qu'ils me sortent des fatalités des fois. Au moins ça serait spectaculaire. Bon, changeons de personnage. Et nous allons jouer avec... avec Sub-Zero. Et donc oui, vous avez peut-être vu, mais il y a Kratos de God of War qui est l'invité spécial de ce Mortal Kombat sur PlayStation 3. D'ailleurs, je sais pas si le jeu est sorti sur d'autres consoles. Aucune idée. You are pathetic and weak. Round one, fight. Allez. Oh putain. L'attaque à distance dans basse, c'est quand même assez craqué. Ok, je me fais des montres. Mais putain, mais tu me dis si je te fais chier au pire. Si t'es pété de glace dans ta race, je connais un peu plus de mouvements avec des Sub-Zero, mais bon là je me fais juste martyriser. Ah, je vais faire des... Bon, je vais garder le X-ray pour le round 2.
Et je peux jouer s'il te plaît? Merci, super cool, mon compteur. Ouais, je l'ai. Les attaques à distance par en bas. C'est trop chiant. Parce que t'as la garde haute, la garde basse. En général, quand t'es à distance, tu te mets en garde haute et puis voilà. Et là, non. Petite interruption du coup. Et je me fais enchaîner comme derrière. Et puis il est toujours en garde. Ok, ok. Je crois que c'est un... Je crois que c'est un guard breaker ça. Non. Ah putain, je se baisse pour ma shot quoi. Ah, une tarasse. Et je me fais défoncer par cette connasse. Voilà. Ok, ça valait le coup. Ah, petite fatality. Ok. Bon bah c'est 0, tu peux être habillé. On verra pas ta fatalité. Bon, de toute façon, fatalité que j'ai pour mes personnages sont celle de base, c'est pas forcément les plus spectaculaires. L'IA en a des bien plus intéressantes. Et écoute, puisqu'elle a l'air rapide, on va partir sur Johnny Cage qui devrait pouvoir la match en rapidité. Et toi, Johnny Cage. I make this look easy. You are pathetic and weak. Round one. Fight. Ok, on tasse. Ok, bah t'as qu'à te mettre en garde, voilà. Moi je vais essayer de t'enchaîner rapidement. Hop, voilà, nique ta race. Pof. Si c'est de la rapidité qu'il faut. Je prends le personnage de la rapidité. Mais par contre, je pense à garder des fois parce que là, je me prends tous ses coups tout simplement. Ok, la meuf fait un saut, elle pense à se baisser pour éviter ma prise. Ouais, la petite boule. Ok, celle-là, elle passe un peu au-dessus. Ça se tire un X-ray. Ah merde. Ça marche comment son X-ray? Est-ce que c'est sur un contre qu'il faut le faire? Ça serait très compliqué. Ah merde. Mais elle va bien niquer aussi quand même. Ok, bon bah. Je vais me faire foutre là. Round two, fight. Ok. Ouais, je me fais dominer sévèrement. Ok. C'est bizarre, moi mes gardes elles sortent pas aussi rapidement que les tiennes. Ok. Oh, oh la pute. Ah. Voilà. Bon, j'ai déjà perdu 3 fois contre elle. On va dire que si je perds 5 fois contre une personne, j'arrête. Bah, je vais faire essayer. Ok, bon, on va rejouer avec Johnny Cage. Je vais bien sortir mon personnage. Le X-ray de Johnny Cage m'a l'air plutôt useless. J'aimerais bien la saisir là quand elle est. Ok. Ok, ça aurait été juste à hors de range de mon point chargé. Tiens, prends-toi ça dans la tronche. Salope. Encore. Donc elle aussi c'est sur un contre. J'ai l'impression à chaque fois c'est quand j'essaie de donner un coup de pied qu'elle me défonce. Bah ok. J'ai claqué mon X-ray là mais... Ouais vraiment ça doit être sur un contre. Putain je peux... Ah j'ai failli mettre un round quoi. Enfin il reste encore pas mal de vie mais... Round 2, fight!
faible. Qui a pas lancé de boules. Bien, cette vidéo sera de courte durée, visiblement. Parce qu'apparemment, je pourrais passer le troisième stage de l'ascension. Oh, pas mal, ça. Voilà, nique bien ta race. Hop, ça c'est pas mal. Bah, je vais la bourrer du coin dans sa garde. Ah, j'ai réussi à sortir le X-ray en contre. Dommage que c'était pour lui enlever 2 points de vie. Bon. Ok. J'ai réussi à mettre un round. Est-ce qu'on va réussir à mettre le match? Je vais la bourrer tout simplement. Écoute. En essayant d'être assez lucide pour esquiver ses attaques. Voilà. Si je me prends un port, ça a l'air de passer. Oh putain! Ok, la boule. Le long. Ah putain, il se baisse sur mes chops à chaque fois. Ah, nique sa race, le X-ray. Après, j'avais de l'avance en termes de HP. Je suis toujours devant. Voilà, petit cancel. Et voilà. Salope. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Heads up. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Didi. Elle a pas volé cette connasse. Et voilà, Kratos, héros de God of War 3, invité d'honneur de ce Mortal Kombat, et on va lui péter la gueule. On va certainement perdre avec Johnny. Je crois que Johnny est quand même assez pété. À part son extrait qui est difficile à passer. Ah, c'est lui qui m'a fait le premier coup. Ok. Sur ces combos, Kratos il va décuter. Pour rendre hommage à son joueur. Bon, j'aimerais bien lui mettre quelques patates quand même. Histoire de pas me prendre un flawless victory. Bah là, on a du mal à résister à mes enchaînements. À mes enchaînements. Ah, salaud. Il m'a stun. Voilà, le petit cancel avec la pluie de pied. Oh putain. Allez, la garde bien placée. Et voilà, petit coup dans la gueule. Ok, il a une bonne allonge avec ses lames. Ouais, il est très bien placé, c'est Johnny Cage. Ok, il fallait garder. Putain. Hop. Ok. Et là, la chope. Qui passe bien avec le petit coup dans les couilles. Normalement, j'ai une prise à rater aussi. Genre, comme ça. Non. On va arrêter d'essayer de la faire. Alors, les boules vertes là, elles sortent de temps en temps. Ah, ok, c'est sûr qu'il y a. Donc, elle a une main qui chauffe. Ah, il a pas. Il a pas enchaîné avec le QTE. Ok. Bah, écoute, c'est ton choix, hein. Moi je te mets. Ah, les boules! Les boules sont toujours trop hautes. Ok. Ouais, bon bah. Ça,
contre un mec qui sait jouer, je vois pas trop comment tu veux passer. Ouais, à moins de réussir à mettre un stun. Oh, le X-ray qui place, qui se passe bien dans le contre. Voilà, Nictaras Kratos. La petite boule. Du coup, je suis obligé de mettre des points chargés, je les mets vraiment pas chargés, du coup, ils font pas mal. Mais sinon, le mec garde. Ouh. Tiens, prends-toi ça. Ok, bon. Joli pattern, Kratos. Et je vais le regarder s'effondrer. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Johnny Cage wins. Nice. Oh yeah. Oh yeah. Cabal. Ok, on arrive au combat numéro 5. Putain, c'est un personnage très rapide, Cabal aussi. Enfin, pas dans ses attaques, je crois, mais dans ses déplacements. Ouais, ses attaques sont plutôt lourdes. Alors que Johnny est plutôt lourd au déplacement, mais en revanche, faire le pouvoir des pluies de coups sur l'adversaire. Ah putain, à chaque fois que je prends le X-ray, le mec m'attaque pas. C'est le script d'IA de merde. Voilà. Toi. Nique bien ta race. Ok, ok. Ça c'est pas bon. Non. Non, on va bien niquer. Voilà. Petit coup de pied sauté. Non. Ah bon voilà, il faut que je le bourrine parce que il suffit qu'il mette un coup dans ma garde. Salaud. J'ai pas envie de voir ta fatality. C'est pas contre toi qui a balle mais. T'es moche quand même. Il a pas son masque là. On voit son visage. Ok. Tourner de façon cartoonesque quoi. Oh, au niveau des jambes quoi. Ok, ok, ok. Pourquoi j'enchaîne sur une garde basse? Qu'est-ce qui fait un enchaînement en garde en attaque haute? Elles sont toutes hautes. Oh, pas mal la retour. Voilà, tiens, viens. Petit point chargé qui m'a quand même permis de. De faire un petit cancel et de l'enchaîner derrière. Ooh. Ok, ok. Laisse-moi tranquille. Il a des taches quand même vénères. Je sais plus comment. Jette les boules d'énergie, putain, l'X-ray, toujours plus pareil. Je vais tester l'X-ray de Johnny Cage. Et tous ceux qui sont en contre. Elle va bien te faire foutre, Pierre. Bon. Il est temps de bourrer un petit peu, parce que vous avez montré comme ça que ça marche, comme Johnny Cage. Voilà, le coup. Au niveau des bournes. Qui passe pas du tout. Ok. On va choisir un nouveau combattant. Première mort contre Cabal. J'ai dit que c'était au bout de 5 morts que je changeais. On va prendre Kung Lao. Non, c'était pas Kung Lao que je jouais, c'était l'autre chinois. C'est raciste. Il est où? Là, Liu Kang. Liu Kang.
du Kang. Allez, viens par ici, mon petit cabal. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Mortal Kombat, donc. J'avais pas mal ruiné le solo, hein, le mode histoire, à l'époque. Liu Kang il tape vite, mais la puissance de ses attaques laisse à désirer un peu. Oh là 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 là. Ce mec bouge beaucoup trop. Oh, petite chope. Ça va me faire un peu des vacances. Petit coup de lâche là, qui font pas du tout mal. Mais qui passe sous la garde. Ouf, l'extrait. Par contre, l'extrait a une bonne range de hit, quoi. Oh merde, je regarde basse. Et là, par contre, il enchaîne avec une attaque basse. Ok. J'étais en garde basse, là. Et nique ta race, ordinateur scripté à la con. C'est vrai que j'avais fait le mode story en expert, par exemple. Deuxième mort contre Cabal. Il a une gueule de plus en plus déchirée. Choisir un nouveau combattant. Et ben on va sortir Noob Sayabat. Car je suis un noob. Noob Sayabat qui a cette particularité de jouer avec son ombre. Ce qui est toujours cool. Let's see what you're made of. Je suis fait d'or. Allez, premier coup. Alors. Le truc, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut que j'arrive à retrouver les boutons. Ah, ça c'est pas mal. Vous voyez pas mal d'attaques avec les ongles. Ok, la bonne garde. Le truc arrive dans son dos, mais il garde. S'il te plaît. Arrête de défoncer tous mes personnages. Ah, ça c'est pas mal. Alors, comme ça se fait. Ça se fait comme ça. Ok. Bon, bah, je vais spammer cette technique-là. Comme un gros faible, il est temps de faire défoncer en attendant. J'ai l'impression que cette zone fait quelque chose, mais je n'arrive pas à comprendre quoi. Parce que la dernière fois, il était dedans et. Ah, nice! J'étais tabassé dans les ombres. Oh putain. Faut que je le bourre de coups parce qu'il va m'avoir la gratte. Oh mais putain, l'attaque qui est plus haut quoi. Round 2, fight. Cette pute. Oh nice. Bon, je vous assure tout de suite, les attaques spéciales que je sors sont pas du tout calculées, je comprends pas trop ce qui se passe. Je crois que je l'avais saigné à l'époque. Petite interruption. Va bien niquer toi.
Ça c'est bien. Ça c'est une bonne prise. Oh. J'aimerais bien placer un X-Ray. Hein. Mais bon. Bon. Troisième mort contre Cabal. Plus que deux, ça mettra fin à notre ascension. On va essayer quand même de le défoncer. Hein. On devrait peut-être prendre un perso genre... Jax. Je crois que non, il me faudrait peut-être plutôt de la rapidité. Ouais, mais j'ai essayé avec Johnny Cage, je me suis défoncé. Qu'est-ce que j'ai de plus rapide que Johnny Cage? Mais c'est pour... Bring it. On va essayer de se reposer sur quelques coups puissants. Bah oui. Ok. Est-ce que je pouvais taper l'adversaire et pas le seul, s'il te plaît? Ok. Ouais, c'est trop rapide pour moi. Mais non, je voulais pas d'interruption. Je voulais économiser pour l'X-Ray. Et je lui fais que dalle. Tous les coups que je lui ai mis, là, c'est de la grosse. J'ai pas mis un seul coup legit. Voilà. Ah oui, bah il fait pas mal du tout, en fait, le S. Ok. C'est un mauvais choix de perso, je pense. Ça c'est pas mal. Petite chop. Par contre, si je pouvais arrêter de le câliner et que je pouvais commencer à lui donner des vrais coups, vu que j'ai quand même des bras métalliques là. Du coup, frappons-le avec mes jambes qui elles sont humaines. Voilà. Bah du coup je l'ai one shot avec mon X-Ray. Ok. Mon X-Ray lui il fait mal. Allez, la petite parade qui va bien. Garde basse, du coup, je te punis en te tabassant. Arrête de sauter, putain. Non, je tape derrière lui avec cette technique, donc c'est pas bien. Allez, Jax, tu peux le faire. Voilà, petit coup, ensuite je me fais un rave. Ensuite, il faut que j'arrête de me prendre des coups, il faut que je défonce. Perdu. Je crois que là il me reste plus qu'une seule mort.